bonsoir, bonsoir, et je vois que Madame Blanche et Yvette se connaissent. Et puis, le tonnerre gronde, la foudre tombe avec fracas. Enfin, je serai bref. Trop tard! Un par un, vous arrivez. Et puis, vous avez été tous avoir reçu une lettre. Vous en avez reçu une? Vous en avez reçu une? Vous en avez reçu une? Oh, mais les enfants! Ça fait qu'il y a eu chantage. Mais les enfants! J'y arrive! Et ça, top secret au Pentagone, le mari de Madame Blanche était dans la physique nucléaire et Yvette était le lien entre les deux. Vous pouvez garder un secret? Bien sûr. Moi aussi. Parce que je l'ai invité. Comment ça? Voyons, c'est évident. Vous étiez tous soit une de ses victimes ou un de ses complices. Ceux qui sont morts ce soir lui ont donné des informations sur chacun de vous. Je les avais venir ici pour qu'ils témoignent contre vous. Ils auraient tous avoué. Car c'est vous qui l'avez tué. C'était autrefois votre cuisinière et elle a raconté vos agissements. Vous avez dit qu'on vous avait servi une de vos recettes préférées. Pièce à conviction. Je volais des pièces radio à l'armée de l'air et je les revendais au marché noir. C'est de là que me vient ma grande fortune. Mais je ne suis pas un meurtrier pour autant. Beaucoup de nos pilotes sont morts parce que nos radios ne marchaient pas. Vous passez par le passage secret et vous abattez le automobiliste de coups sur la tête. C'était mon chauffeur pendant la guerre. Et l'un d'entre eux est mon ancien employeur. Vous étranglez Yvette. Vous ne supportez pas la liaison de votre mari avec elle. Oui, c'est vrai. J'ai tué Yvette. Dans ma tête, ça faisait des flammes sur mon visage boursouflé. La flamme pendillante, giclante, sanglante. Le flic était de Washington. Je l'arrangeais chaque semaine. Je lui filais du fric pour pouvoir continuer à opérer. Ah, quelle horreur! Monsieur Mort l'a appris. Dieu sait comment. Et assomme le flic qui lui extorquait de l'argent d'un coup de barre de plomb. Vrai ou faux? C'est vrai. J'ai l'impression d'être en danger. C'est dans ma maison, en haut de la colline. Allez-vous penser à la possibilité d'entrer au royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, vous êtes grand ouvert! Vous avez dû vous tromper d'adresse! Bientôt sera le jour du jugement dernier! C'est aujourd'hui, figurez-vous! Mais vos âmes sont en grand danger! Ce sont nos vies qui sont en danger! Espèce de raélien! Et on coupe l'électricité! Désolée, vous avez eu peur? Vous le faites exprès ou quoi? Cette gonzesse me met en boule! Alors c'est Green qui a tué la fille du télégramme. Je suis innocent!
Une deux secondes. J'ai tué qui, alors? Mon maître d'hôtel. Mais la police va arriver dans une minute. Monsieur, pourquoi la police? Qui la demande? Comment? Ah, mon Dieu! Bien sûr! On empile les mains dans la cave, on barre la clé, on quitte cet endroit un par un et on fait comme si tout cela n'avait jamais eu lieu. Mais vous continuerez à nous faire chanter. Bien sûr, pourquoi pas? Ah, voilà pourquoi. FBI, l'appel d'Edgar Hoover était pour moi. Qui a fait le coup? Mais celui qui a tué M. Maul, c'est moi, dans le hall, avec le revolver. Merci, chef. Moi, je rentre chez moi. Couché avec ma femme. Avouez qu'ils sont bons, qu'ils ont du talent, hein? Excellent.